Ce soir, c'est le lancement de la 5e et dernière phase du projet 21e arrondissement. 136 unités sur 10 étages, des une chambre, des deux chambres, et tout ça à la croisée de Griffintown et du Vieux-Montréal. Laurence Vincent, coprésidente chez Prével. Ce soir, c'est le lancement de la 5e phase du projet 21e arrondissement. C'est excitant parce que c'est la dernière phase du projet. Effectivement, c'est la dernière chance d'habiter dans le projet. C'est surtout la consécration ultime du projet. Donc, avec cette phase-là, on vient terminer l'ensemble de l'îlot. C'était un projet de 900 unités. Donc, avec du commercial, avec du locatif et du condo au cœur du Vieux-Montréal et à la proximité de Griffintown, évidemment. On a aussi créé un square public qui est bordé de commerces de proximité axés sur la nourriture. Donc, beaucoup de lifestyle, beaucoup de sentiments d'appartenance de la part des gens qui vont pouvoir habiter sur le projet, fréquenter ces commerces-là, inviter des gens sur une base régulière. Des espaces communs extraordinaires. Donc, on a un grand salon au dernier étage de la phase 2 qui est complété, qui est magnifique. On est en train de construire le centre sportif avec la piscine intérieure, le spa, tout ça de la phase 3. Donc, en arrivant dans la phase 5, bien, on va arriver puis tout va être complété. Le square, les commerces vont être arrivés, vont être opérationnels. Les espaces communs vont être complétés. Donc, les gens vont vraiment pouvoir profiter de l'ensemble du site et des services du 21e. C'est de créer un arrondissement en soi, c'est un clin d'œil à Paris en disant, dans le fond, les petits commerces de proximité, la chaleur des petites rues parisiennes, donc le fait de pouvoir se côtoyer sur une base régulière puis de développer un sentiment d'appartenance à son quartier. Donc, c'était l'inspiration, puis je pense vraiment qu'on y arrive à voir l'évolution du projet. On lance la dernière phase, donc on a déjà beaucoup de réservations. Plus de la moitié du projet a été réservé déjà. Et puis, on est très confiants là, que dans les prochains mois, on va voir la fin du projet très rapidement.